Allez, il est 19h. Donc, vous vous permettrez de quitter le masque, le temps de parole, comme d'habitude. Merci beaucoup. Donc, bienvenue. Merci de votre présence. Je salue le membre du public présent qui a bravé la tempête. Et je salue également les gens qui continuent à suivre nos conseils municipaux depuis le site ou le Facebook de la ville. Alors, vous le voyez, donc on a réintégré effectivement les salles municipales compte tenu de l'évolution sanitaire pour que nous ayons dans cette grande salle un petit peu plus d'espace entre nous. Voilà. Alors, je commence, comme d'habitude, par les pouvoirs de Chanel Barbier, donc à Louis Galdos, mais qui peut, je ne sais pas, peut-être nous rejoindre dans le courant de la séance, de Claire Marsal-Guèze à Soline Gravrouille, de Maïté Saint-Pau à Bernard Calès, d'Alexandra Lux à Nathalie Dufault, et de M. Makoviak à Cédric Larieux. Les pouvoirs sont enregistrés. Alors, je me dois de désigner une ou un secrétaire de séance. Qui veut l'être ? Françoise, merci. C'est la préposée, Françoise. C'est la préposée. Bon, c'est bien. Merci, Françoise. Pas d'opposition ou d'abstention. Merci. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, le compte rendu du conseil précédent, y a-t-il des observations de votre part sur ce compte rendu? Non. On peut le considérer comme adopté. Des oppositions, des abstentions. Merci beaucoup. Donc nous abordons l'ordre du jour proprement dit avec une première partie financière. Ce sont les délibérations que vous connaissez maintenant, la décision modificative de fin d'année et les délibérations de fin d'année annuelles que nous prenons. Donc je vais céder la parole à Yves Trésière qui va commencer, Yves, avec la décision modificative. Bonsoir à toutes et à tous. Donc première délibération concerne une délibération donc, d'ajustement du budget de fonctionnement et d'investissement, notamment sur le budget principal. Très peu de sujets particuliers, on les a tous revus dans le détail à la commission administration finance lundi soir avec l'ensemble des membres, que je remercie pour la qualité des échanges sur ce sujet. On a quelques dépenses supplémentaires au niveau des fluides, électricité et gaz pour 15 000 euros. On a une petite dépense supplémentaire de 10 000 euros sur le reversement de la taxe de séjour, mais en fait qui cache une bonne nouvelle qui arrivera. Ça veut dire qu'on a encaissé plus de taxes de séjour pendant la saison et donc on a une quote-part à reverser au département qui sera supérieure, donc on la budgète aujourd'hui. On a 1 500 euros d'admission non-valeur, donc ça, les non-valeurs, c'est toutes les surpropositions de la trésorerie et pas de notre fait. Et ensuite, on regarde si on accepte ou pas ces sommes. On a 1 500 euros d'impayés qui datent des années 2006 à 2013. Donc, on continue d'épurer progressivement l'ensemble des sommes. Il s'agit, d'une dizaine de lignes, à moins ou 15 lignes à moins de 80-90 euros sauf une. Voilà. Il y avait deux grosses lignes que l'on a refusées et pour lesquelles on a exigé un recouvrement puisqu'elles étaient supérieures à 10 000 euros. Voilà. Donc, on essaye de se battre pour ces lignes qui sont importantes. Ensuite, on a quelques écritures de régularisation et puis il y a une recette, en fait, mais indirectement, qui est le reversement de la partie de ce qu'on appelle les travaux en régie, c'est-à-dire les travaux effectués par les services municipaux qui vont basculer, qu'on reverra dans une seconde, dans la section investissement pour 50 000 euros en termes de provision. C'est essentiellement quelques gros aménagements, notamment, et je pense que c'est important de les mentionner, la pose de la pergola à l'école primaire, qui était très attendue pour les parents et les enfants. Des luminaires, c'est pareil, pour rénover l'éclairage à la LSH. La réhabilitation que vous pouvez commencer à voir de la maison Nîmes, en face du marché, où il y a aussi des travaux qui sont faits en régie. Et puis ensuite, divers aménagements qui concernent le centre technique, le poste du MNS ou le mur à gauche. Voilà, la somme de tout ça fait 50 000 euros. Ça
contribue à ce qu'on avait dit plusieurs fois ici, à l'entretien de notre patrimoine bâti. Et donc, on y fait très attention. Voilà. Voilà pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, on a en fait une première participation de 17 000 euros pour des logements sociaux. On rappelle qu'on a... chaque construction, il y a des logements sociaux. Ici, c'est la participation pour le col de Bonamour. Je vais passer vite. Il y en a pour 18 000 euros, 17 800. Un quart à la charge de Cap-Breton, trois quarts de Max. Mais on y reviendra puisque la délibération va suivre tout à l'heure. Donc, on vous réexpliquera l'ensemble de ce contenu. Ensuite, il y a juste une écriture de régularisation de compte à compte d'une opération en cours qui devient définitive pour les travaux des berges pour 1,7 million. Mais c'est juste un débit-crédit. Ensuite, on a le terrain synthétique pour le stade et surtout la piste et la piste d'athlétisme, à la fois une étude de sol et de la maîtrise d'ouvrage pour 53 000 euros. On retrouve bien évidemment les 50 000 euros de travaux en régie. J'ai sauté, j'en suis désolé, la mise en conformité du château d'eau de la plage. On essaie de réfléchir à comment réaménager ce château. Mais même maintenant, pour accéder, pour pouvoir regarder ce qu'on peut y faire, on ne peut plus accéder au plateau haut puisque les échelles sont rouillées, donc dangereuses. Donc on a interdit de l'accès. Et ensuite, on va remettre la sécurité pour ensuite aller voir ce qu'on peut faire pour à la fois utiliser plus intelligemment ce bâtiment et surtout l'embellir pour que ce soit plutôt un emblème qu'un bâtiment qui ressemble à un bâtiment désaffecté. Voilà. Donc, mais il nous faut faire la sécurité, donc on en a pour 7 000 euros. On a en recette une subvention du département qu'on va utiliser à hauteur de 5 000 euros, qu'on utilisera pour sécuriser encore plus par un plateau l'accès à la résidence Curboisée à l'entrée de ville, puisqu'on avait mis des ralentisseurs provisoires, mais on va essayer de l'améliorer. On a surtout une recette importante qu'on intègre au budget de 311 430 euros qui vient de la subvention de l'agence de l'eau pour l'aménagement des trois places dont on a parlé dans les précédents conseils. On a eu la notification comme quoi on avait un accord à hauteur de 1 million d'euros et donc on touche les 30% à titre d'acompte. Et puis on a par le syndicat des rivières un remboursement à hauteur de 47 000 euros pour les travaux de renaturation des berges. Voilà, voilà les opérations importantes, le reste sont des opérations d'équilibre. Et puis, on a une toute petite opération de plus-moins dans les établissements de bain, mais c'est du 2 000 euros. C'est non significatif. Voilà les grandes modifications de cette décision numéro 2. Très bien. Sur les établissements de bain ? Oui. Mais c'est juste technique, c'est un excédent qui a été reversé en provision. OK. Bon, est-ce que vous avez des observations, des questions sur cette décision modificative ? Non. On peut passer au vote. Des oppositions, des abstentions. Merci. Yves, on continue avec les crédits votés par anticipation. Oui, alors, donc, comme l'année dernière, ou d'ailleurs l'année d'avant, on a choisi de proposer le budget en tout début d'année, de telle façon qu'on puisse arrêter d'abord ou avoir une vision suffisante des comptes 2021 pour aller travailler sur l'année 2022, ce qui nous oblige à démarrer l'année sans budget, et donc on est dans l'encadrement légal où nous avons le droit de dépenser dès le début de l'année 100% des dépenses de fonctionnement, et on doit voter aussi une autorisation d'ouverture potentielle de crédit d'investissement à hauteur d'un quart des dépenses de l'année 2021, de telle façon qu'on puisse engager les premières dépenses. Rien ne dit que nous engagerons ces dépenses, rien ne dit qu'elles le seront sur les postes qui sont mentionnés, mais c'est une ouverture de crédit pour pouvoir fonctionner, et notamment en cas d'urgence. L'ensemble des décisions seront prises lors du vote du budget tout début février, et ensuite on actera dans ce cadre-là. Mais c'est juste pour se donner de la latitude sur l'ensemble des opérations. Voilà, donc ça c'est juste pour se dire, on va ouvrir poste par poste un montant de 2 744 000 euros, mais encore une fois, qui n'est pas décidé et qui correspond aux 25% des 11 millions d'euros dépensés cette année dans les investissements. Voilà. Bien, merci. Oui, en fait, c'est une provision de crédit qu'on ouvre avant le vote du budget, afin que, éventuellement, et en tant que de besoin, on ne soit pas bloqué dans la réalisation des premières opérations de l'année. Des questions ? Non ? Bien, mais écoutez, je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. On continue. Toujours avec Yves, avec une délibération très importante. Yves.
Oui, c'est la dernière fois que nous parlerons du lotissement Les Deux Pins, puisque la décision que l'on vous propose est une modification, mais une modification symbolique, puisqu'il y avait un petit écart sur la TVA de 6 euros, donc on ne va pas se reporter notre regard sur les 6 euros, mais c'est surtout la clôture de ce budget, puisque l'opération est maintenant totalement débouclée. Les dernières dépenses qui étaient envisagées ont été réalisées, il n'y a plus rien à attendre ni en recettes ni en dépenses. Et donc on propose de clôturer ce budget en reversant l'excédent final de 1 205 206 000 euros au budget principal et qui servira, comme pour les autres fois, à la section investissement. On se refuse bien évidemment d'utiliser les ventes du patrimoine pour des dépenses de fonctionnement, donc ça ira directement servir les futures opérations d'investissement de la commune. Voilà. Donc cette opération est définitivement clôturée. Je vous rappelle qu'on avait déjà versé en 2015 1,7 million au titre de ce début de lotissement, en 2015, 3,5 millions pardon, en 2019, et donc 1,2 million aujourd'hui, donc ce qui fait un reversement total de plus de 6,4 millions. Voilà, donc on vous propose de clôturer définitivement ce budget qui n'existera plus, et donc on aura une annexe de moins à suivre en 2022. Parfait. Bon, voilà. Donc c'est la clôture comptable de cette opération de lotissement, hein, et qui va contribuer largement à hauteur de 6 euros pour terminer, c'est ça? Oui, c'était juste un écart de TVA. Bon, pas de problème là-dessus, je suppose. Des oppositions, des abstentions? Non. Je vous remercie. Après, les admissions en non-valeur. Oui, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Donc tu as parlé déjà. Oui, j'en ai parlé. Donc, juste la décision précise qu'effectivement la trésorière nous a proposé 31 524 euros d'admission en non-valeur. Comme je vous l'ai dit, on a rejeté une grande partie des trois grosses lignes pour ne conserver que 1 500 euros, qui sont des 17 lignes, voilà, avec 90 euros en moyenne entre 2006 et 2013, et qui concernent essentiellement des impayés scolaires, de transport, de cantine et de garderie. Très bien, pas de problème, je suppose, là-dessus. Des oppositions, des abstentions? Non. Merci. Ah, on est toujours dans la matière financière, avec quelque chose de nouveau, qui est lié du reste à la délibération qui suit. C'est ce qu'on appelle le règlement budgétaire et financier que va nous présenter Yves, pas forcément dans le détail. Je pense que vous avez lu le règlement qui est annexé et qui est aussi lié au changement de nomenclature que tu vas nous présenter et nous proposer après. Yves. Oui, donc effectivement, on peut s'en tenir à quelques explications, mais si ensuite vous le voulez, je peux vous lire les 40 pages de ce règlement, si on a envie de passer la soirée ici. Voilà, allez, sérieusement, nous avons choisi au niveau de la commune, et on va y revenir dans la délibération suivante, de passer à une nouvelle nomenclature qui s'appelle la M57. Et pour pouvoir aller vers cette M57, il faut avoir un règlement budgétaire et financier. Donc on a choisi d'anticiper la mise en place de la norme, on va le voir après, qui normalement est obligatoire au plus tard en 2024. Et on a travaillé cette année, et je voulais ici remercier l'ensemble des services financiers, notamment notre responsable financier, qui a fait un très gros travail depuis l'été pour pouvoir établir ce règlement et ensuite établir la correspondance à la M57. Ce règlement, il existait des règles, bien évidemment, dans la ville, mais ici, sur ces 40 pages, on vous redécrit l'ensemble des procédures de la ville. On y crée un référentiel commun qui sert autant aux agents qu'aux élus. On y repousse une certaine culture de gestion saine de notre patrimoine pour la gestion, patrimoine et fonctionnement. On y rappelle les normes, y compris les obligations. Et puis, ce qui n'existait pas avant, on le votait ici, mais les opérations de crédit pluriannuelles, on donne ces engagements pluriannuels et on y explique aussi les règles très claires de clôture annuelle et de séparation des exercices. Je pense que tout ça nous donne des bons principes de fonctionnement, ça nous donne des cadres pour pouvoir exécuter, préparer, exécuter, suivre notre budget. Et tout ça avec quelque chose dont vous le savez, qui me tient à cœur, qui est de toujours pouvoir être transparent, de pouvoir contrôler facilement et de contrôler la probité de toutes les actions que nous faisons à l'intérieur de la commune. Donc voilà, donc ce règlement est assez exhaustif.
Il ne sera forcément pas définitif parce que c'est le premier. On va s'adapter à la nouvelle nomenclature. On a mis en place ce nouveau règlement. Il est fort probable que l'année prochaine, on ait une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'on regardera à nouveau le règlement au vu de l'exercice complet 2022 dans ce cadre de nouveau règlement et dans le cadre de la nouvelle réglementation que l'on va suivre et qu'on fera les ajustements nécessaires qui auront pu gêner soit les agences, soit les élus, soit les tiers, de telle façon qu'on puisse rester à la fois flexible mais en respectant les principes que je vous ai expliqués. Donc voilà, donc c'est un gros travail qui a été aussi accompagné par un cabinet conseil, de telle façon qu'on ait aussi une forme de neutralité externe à la vision qu'on avait, nous, de l'opération, de telle façon qu'on puisse y lister toutes les bonnes pratiques. Il est à disposition de tous, bien évidemment, autour de cette table. Vous l'avez. Et si vous avez la moindre des questions, je peux y répondre ce soir. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez, sur ce règlement que vous avez vu et dont vous avez parlé également en commission administration générale et finances, hein, des questions, des observations, Monsieur Schneider? Simplement dire que pour moi c'est un ouvrage remarquable qui nous sera extrêmement utile à tous et féliciter la direction financière qui a élaboré ce travail. Voilà, merci. Merci pour ce commentaire que je partage à la suite également des remerciements qu'il va adresser pour le travail, je crois, de grande qualité et très exhaustif qui a été réalisé par le service finance notamment. Et qui nous permet, on va le voir juste après, de pouvoir anticiper le passage à la nouvelle nomenclature, donc M57, qui normalement doit s'appliquer au 1er janvier 2024, mais qu'on a choisi volontairement d'appliquer par anticipation, pour les raisons qu'Yves a indiquées. Voilà. Et donc un grand merci effectivement au service finance de la ville. Merci, merci Jacques, on en a parlé, Anthony était là et... On lui a mené aussi la vie dure dans nos remarques, donc c'est bien qu'on le remercie. Bon, donc je suppose que ce dossier va faire l'objet d'un vote unanime. Et il y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie beaucoup. Et donc on arrive au référentiel, donc, comptable dit M57, Yves. Oui, alors c'est une nouvelle norme. Aujourd'hui, l'État avait une particularité, c'est d'avoir différentes normes pour ces différentes collectivités locales ou établissements publics. L'objectif est que tout le monde converge vers une norme unique qui est la M57 et qui, pour nous, remplacera la M14 que l'on suivait dans nos exécutions budgétaires. Cette norme, elle permet d'avoir un peu plus de vision sur les natures et les fonctions des dépenses que l'on fait, mais elle permet surtout de s'harmoniser avec toutes les autres communes et toutes les autres établissements collectifs. Et moi, je le dis, si on veut ensuite faire des comparaisons facilitées, ça nous permettra de pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Elle nous donne deux facultés un petit peu de souplesse, en fait, je vais les appeler comme ça, qui sont la possibilité, quand on aura voté notre budget, de pouvoir passer d'un chapitre à un autre à hauteur de 7% des chapitres sans redélibérer ici au Conseil, comme on le fait souvent pour 4 euros, 5 euros, 15 euros, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc elle donne cette souplesse-là de fonctionnement sans bien évidemment lever les contraintes qui existent au niveau du vote du budget ou de l'approbation ensuite de ces dépenses, hein, bien évidemment, mais on peut le faire en cours de fonctionnement. Et elle nous donnera aussi une possibilité d'avoir des dépenses imprévues à hauteur de 2% des dépenses réelles dans chacune des sections, ce qui nous permet de la flexibilité dans la section et encore une fois de ne pas revenir vers vous pour ces délibérations un petit peu comme celle de tout à l'heure ou sur des opérations à 10 millions d'euros. Il faut qu'on vote 6 euros. Ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, même si c'est important, par contre, en comptabilité pour que ça tombe juste et que la probité dont je parlais tout à l'heure soit respectée. Voilà, donc cette norme, elle est en place depuis un certain temps dans d'autres établissements, notamment des grandes villes. On a l'obligation de l'appliquer en 2024. On a pensé qu'il était sain pour nous de l'anticiper, à la fois pour le règlement dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi parce qu'on avait à la fois les compétences et le temps cette année de pouvoir le faire. On ne sait jamais ce que l'année d'après nous réserve. On l'a vu depuis 2 ans. Donc on a profité de cette fenêtre de tir qui était positive pour nous pour passer à cette norme. Donc les services ont beaucoup travaillé pour se préparer, parce qu'il y a une énorme table de correspondance, hein. Quasiment la moitié des comptes passent d'un compte à un autre. Donc il faut s'y préparer, puisqu'on va retraiter les dépenses 2021 pour pouvoir vous présenter le budget 2022 dans la norme M57. Donc tout ce travail est prêt et fait, et ben, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour la bascule de fin d'année, mais il n'y a aucune raison, on est normalement prêt. Voilà, et donc cette réglementation M57, bien évidemment, comme on va suivre la commune, on l'appliquera à nos budgets annexes, pardon, donc la forêt, les établissements de bains et le parking,
puisque les deux pains n'existent plus, mais les trois autres perdurent, et donc ils seront suivis selon la même nomenclature. Voilà. Parfait. Là aussi, des commentaires ou des observations, Monsieur Calès, oui. Merci, Monsieur le maire. Oui, au-delà des règles de comptabilité ou de gestion qui vont être un peu différentes, si j'ai bien compris, le format de présentation risque d'être assez bouleversé. On aura quand même une partie fonctionnement, une partie investissement, mais les chapitres ou les têtes de chapitres vont être complètement différentes à répartition. C'est pour qu'on puisse s'y habituer, parce que 1er janvier, ça arrive vite. La lecture sera un peu surprenante au début. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on veut aussi être capable de retraiter ce que l'on a fait cette année pour pouvoir donner la possibilité de comparaison en 2022, sinon on n'aurait plus de point de repère. Donc l'objectif est vraiment d'avoir les nouveaux chapitres en place dès le 1er janvier et de pouvoir présenter le comparatif à 2021 dans la même fonction. Oui, donc je pense qu'à la première réunion de budget, il y aura délibération qui sera un peu plus longue avec un explicatif pour qu'on suive bien la différence. Oui, il y aura bien sûr. Il y aura une nouvelle maquette budgétaire, hein, mais je veux dire pas forcément plus difficile à lire que celle que nous avons aujourd'hui, hein, somme toute. Et si on le fait, c'est aussi, je pense, quelque part dans un souci de, je dirais pas de simplification, ce serait peut-être beaucoup dire, mais en tout cas de facilité, de lisibilité des documents comptables qui ne sont pas toujours évidents à lire effectivement. Voilà. Ça restera quand même une nomenclature technique de financier. Hein. Oui, pas rêvé, hein. On est toujours dans le cadre de la comptabilité publique. Voilà. Et puis de toute façon, à un an ou à deux ans, c'est obligatoire. Donc on a juste devancé l'appel, comme beaucoup d'autres communes. Hein. On est loin d'être les seuls à le faire. Et comme je l'ai dit, je pense qu'en anticipant l'appel, on se permet de le faire quand on peut le faire, et on ne sait jamais après si on aurait eu le temps ou les compétences d'ailleurs. Je remercie donc à nouveau notre responsable financier qui a préparé ça sereinement sur les 7 derniers mois. Voilà, on a commencé l'étape de transposition et vous avez raison, là, Bernard, sur cette partie-là, c'est 7 mois de travail quand même, hein, pour arriver à être prêt en décembre. Hein, donc c'est pas quelque chose de facile et où on dit on fait juste une table de correspondance. Donc on vous la présentera et elle est à votre disposition, on l'a dit lundi en commission. Donc il y aura certainement, oui, la première fois en tout cas, un effort pédagogique, effectivement, et peut-être un petit peu plus de temps à consacrer pour une bonne lecture de ces nouveaux documents. Tout à fait. C'est bon ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Bon, je crois qu'on a quitté le pavé comptable et financier. On va changer tout à fait de sujet avec Cyril. Une convention de servitude avec le SIDEC. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit d'une convention de servitude sur la parcelle AH85 afin de réaliser des travaux d'alimentation du poste de refoulement situé sur la voie de contournement. Voilà. Je vais demander au conseil d'approuver les principes de passation et les termes de la convention. Bon, vous avez le fuseau donc de la servitude, hein, qui est en annexe. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème là aussi particulier. Ce sont des dossiers qu'on traite régulièrement, hein, en tant que de besoin, lorsqu'il est nécessaire. Voilà, d'instaurer ces servitudes. Pas de souci là-dessus. Pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie. Alors, Françoise, on revient donc sur la participation de la ville au financement donc des logements sociaux, cette fois, oui, de l'opération Bon Amour par le COL. Par le COL. Donc, on avait les mêmes dossiers au conseil précédent, hein, pour d'autres opérations. Voilà, exactement. Donc, comme chaque fois qu'il y a des programmes de construction de logements sociaux sur la commune, une intervention financière est demandée à la communauté de communes et à la commune par l'opérateur. En l'occurrence, pour Bon Amour, c'est le COL. Le programme Bon Amour, donc, comme vous avez pu le voir, comprend 20 logements locatifs pour lesquels la participation financière s'élève à 71 667 euros avec la répartition suivante, 3 quarts pour Max et 1 quart pour la commune. Monsieur le maire propose de fixer la participation financière de la commune à 17 686 euros et d'inscrire cette somme au budget. Cela, comme Monsieur Trézière l'a dit tout à l'heure, ça paraît dans la décision modificative. Bien.
Vous connaissez bien maintenant ce type de délibération. Après, je suppose, Françoise, qu'on aura après la participation financière, les garanties d'emprunt à apporter, hein, comme on fait à chaque fois avec la communauté de communes, et qui permet effectivement de participer, de favoriser la création donc de logements sociaux dont on a besoin sur le territoire. Hein. Voilà, est-ce que vous avez des observations? Non? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Oui, Françoise. Oui, je me permettrai quelques informations. Donc, le problème du logement et surtout le logement social, vous savez, est un enjeu prégnant de notre politique sociale. À Bonamour, outre les 20 logements locatifs, 35 logements sont construits et vendus en accession à la propriété avec la formule PRS, ce qui représente sur ce programme Bonamour 60% de logements sociaux. C'est-à-dire il y a en plus 37 logements libres qui ont été construits et vendus par la Soubrie. Donc dans ce programme, il y a 92 logements total et mais 60% de logements sociaux, entre l'accession et la location. Un petit mot concernant le dispositif du BRS, bail réel solidaire, dispositif que nous comptons étendre à plusieurs programmes. Ce dispositif permettra à des ménages aux revenus modestes de se loger en se constituant un patrimoine immobilier, permettra aussi de renforcer la mixité sociale en développant l'offre de logements tout en assurant la pérennité des parcs d'accession sociale à la propriété. Pour rappel, Cabreton est l'une des premières communes des Landes à avoir mis en place ce dispositif avec le COL, avec le programme Duna Verde au Gaillou, qui comporte 42 logements construits et vendus en accession à la propriété dispositif BRS, auxquels il faut ajouter 18 logements locatifs HLM gérés par Excel Habitat. Bien, merci pour ce rappel et ces précisions, Françoise. Yves, tu souhaitais intervenir? Oui, pardon, juste parce qu'on donne les 1/4, 3/4 et je trouvais intéressant pour éviter à nos auditeurs notamment d'éviter de calculer le 3/4, mais la communauté de communes apporte 54 000 euros. On apporte 17 000, mais c'est 54 000 euros quand on parle de 3/4. Ce n'est pas une somme négligeable. Voilà, c'est ça que je voulais ajuster. Très bien. Bon, on avait évoqué le sujet de la problématique du logement sur nos territoires, pas qu'à Breton uniquement, mais surtout les territoires littoraux et de plus en plus, je dirais, en rétro-littoral maintenant. Et donc de l'intérêt, effectivement, de développer, et on le fait maintenant quasi systématiquement, Jean-Luc, de développer donc et de mettre en œuvre le dispositif du BRS qui, effectivement, permet, même s'il s'agit d'accession à la propriété à prix maîtrisé, comme on dit, d'alléger encore la charge de l'acquisition en dissociant le bâti du foncier. Vous connaissez le principe. Je pense que c'est un bon dispositif qui, maintenant, qu'on voit se développer un petit peu partout. Hein. C'est vrai qu'on a été un petit peu précurseur en la matière avec XL Habitat. Et donc, nous allons continuer chaque fois qu'il y aura des opérations réalisées en soutenant et en développant donc ce dispositif donc du bail réel solidaire, donc le BRS. Voilà. Des observations? Non? Donc je soumets ce dossier à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Merci Françoise. Alors après, nous passons donc à un avenant à signer donc avec la communauté au sujet du service commun ADS. Oui, donc, du droit des sols, Jean-Luc, à Achard. Pour mémoire, nous avons adopté une délibération lors du conseil municipal du 16 juin concernant l'attribution de la compensation, qu'il y ait une modification de périmètre du service commun. Donc nous avons pris acte des modifications et des conséquences financières de ces modifications de périmètre. Donc là, aujourd'hui, on délibère dans la continuité de cette délibération du mois de juin pour signer une convention entre la commune et l'intercommunalité pour mettre en œuvre justement ces modifications de périmètre. Voilà, donc vous avez dû voir que le contenu de cette délibération est
est assez semblable à la délibération que nous avions prise au mois de juin. Mais là, si vous voulez, on passe à l'acte avec la signature de l'avenant numéro 3 concernant les attributions de compensation. Voilà. Bon, donc c'est un simple avenant, une modification mineure. Il y a un petit impact financier qui majeure un petit peu la participation oui, des communes. Oui, parce qu'il y a des modifications de périmètre suite à une réintégration d'agents de l'ABEN, notamment, qui modifie le périmètre du service commun. Et puis, il y a également un ajout concernant la police de l'urbanisme qui rajoute une prestation supplémentaire dans le service commun de l'intercommunalité et qui fait modifier la participation de la commune de quelques 5 000 ou 6 000 euros. C'est ça, pas loin de 6 000 euros. Mais ce qui est important pour les communes, pour nous particulièrement, c'est effectivement une mission d'accompagnement dans le domaine de la police de l'urbanisme, qui est toujours une matière compliquée et difficile, que ce soit au niveau des conformités ou au niveau, voire des infractions. Et que nous aurons donc effectivement un accompagnement sur une durée de 29 jours dans l'année qui permettent effectivement de renforcer ces vérifications pour parler de manière pondérée. Voilà, donc l'objectif c'est de mutualiser ce service hein, donc, qui intègre donc l'intercommunalité. Et ce qu'on a défini, ça vous le voyez dans les documents, c'est un nombre de jours de prestations liés au nombre d'actes qui seront produits sur la commune de Cabreton, à la fois pour les conformités, mais également pour les actions d'infraction également sur le territoire de la commune. Voilà, et donc on sera attentif effectivement au suivi de cette prestation. Tout à fait. Merci Jean-Luc. Est-ce que vous avez des observations? Oui, Monsieur Calès. Merci Monsieur le maire. Oui, je crois que c'est important. On a beaucoup discuté de ce sujet en commission finance et administration. Et je crois que c'est important de dire, ce qui a été dit, c'est que les 29 jours ne sont pas 29 jours qu'on ne pourra pas contrôler. Souvent, on a un peu peur quand Max est un peu loin. Et là, c'est 29 jours qui sont identifiés ou qui vont être identifiés. Donc, on saura exactement quand les personnes viennent, on pourra définir avec eux quel secteur ils vont, qu'est-ce qu'ils ont vu dans la journée. Oui, donc c'est une planification qu'il faut établir, effectivement. Voilà, ça, c'est efficace, c'est bien. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est 29 jours sur place, hein, voilà, sur le terrain. Bien, d'autres observations? Non? Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, nous passons à Céline Fournier, avec tout d'abord un avenant à conclure et à renouveler la convention financière que nous avons avec l'école privée, le groupe privé scolaire Saint-Joseph. Céline. Exactement. Donc, la caisse d'allocation familiale, qui donc participe au financement des services de petite enfance, d'enfance, mais aussi de jeunesse, initie une nouvelle démarche au travers de la convention territoriale globale. Max a été pilote sur ça. Et désormais, la CTG, la convention territoriale globale, a pour vocation de remplacer les contrats enfance-jeunesse. Donc, pour maintenir le financement de nos actions et nos services, il faut signer cet avenant que toutes les communes de Max vont devoir signer avant le 31 décembre. Et pour rappel, en fait, cette CTG, elle a aussi pour mission de renforcer la cohérence et la coordination des actions sur le territoire. Surtout, il y a une phase qui s'appelle l'analyse des besoins sociaux que vous retrouvez en pièce jointe, en annexe, et qui vous démontre en fait que le territoire évolue et que forcément il faut analyser les besoins pour pouvoir répondre aux attentes. Donc il suffit de signer cette convention. Bien, merci Céline. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, pas eu le temps, de plonger dans l'APS, dans l'analyse des besoins sociaux dont a parlé Céline, qui est un document très riche, très intéressant, vraiment. Voilà. Ça permet aussi de mieux cerner les enjeux de notre territoire. Hein, Céline ? Oui, exactement. Effectivement, de voir les mutations des populations, de la composition des ménages, de l'augmentation des familles monoparentales, ça permet de comprendre les enjeux et surtout d'adapter les services. Voilà. Vous avez des questions, des observations ? Non ? Bien. Des oppositions, des abstentions ? Merci. On continue avec Céline, donc, avec l'école privée Saint-Joseph.
Alors, c'est un sujet que vous connaissez, puisqu'on l'aborde tous les ans. Hein. Donc, nous avons l'obligation de participer financièrement aux écoles privées à la hauteur de ce qu'on injecte dans les écoles publiques. Pour cette année, on prévoit en fait une nouveauté, une convention pluriannuelle, en fait, une convention qui se renouvellerait par tacite conduction sur 2 ans pour faciliter en fait le versement de la subvention. Et également, nous avons proposé un versement en plusieurs fois, en 3 fois, à vrai dire, parce que jusqu'ici, nous versions la totalité de la subvention vers la rentrée, ce qui pouvait poser des soucis de trésorerie. Donc désormais, nous avons proposé 50% du montant qui sera versé en février, ensuite 25% au mois de juin, et enfin, ce qui permettra déjà à l'école d'avoir 75% du solde de la subvention avant la rentrée pour aborder la rentrée sereinement, et ensuite on fera une régularisation en fonction des effectifs qui seront regardés au 1er février, et enfin en fonction du coût de l'année de référence. Donc rien de nouveau, mis à part ce petit point de versement. Voilà, donc bien sûr, nous avons échangé et discuté avec le directeur de l'établissement, comme il se doit, hein, et accédé à ces demandes qui nous semblaient fondées. Hein. Tout d'abord, une convention annuelle, comme c'était le cas précédemment, mais qui peut se renouveler automatiquement par tacite reconduction, comme on dit, pendant 2 ans, c'est-à-dire sur une période de 3 ans. Comme ça, ça nous évite de repasser devant le conseil municipal chaque année, effectivement, ce système d'acompte que Céline a évoqué pour soulager la trésorerie de l'établissement. Voilà ce que nous vous proposons. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations? Non. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, nous passons donc à un autre sujet, la création d'une brigade sinophile. Sinon? D'accord. Donc, Jean-Yves Sorère, on va vous parler plus la signature d'une convention qui va avec l'art de la concision qu'on lui connaît. Prends un peu de temps, Jean-Yves. Pas trop court. Oui. Dans le cadre de leur mission, les agents de la police municipale participent aux recherches de personnes disparues ou garées sur notre commune ou sur les communes avoisinantes. Compte tenu de l'accroissement de la population et l'attrait de notre secteur, cette mission est croissante. Il y en a eu 5 rien qu'au mois de juillet, au mois d'août. Afin d'être plus efficace dans cette mission, un agent de la police municipale de Cabreton propose de mettre son chien à disposition de la collectivité afin exclusivement de recherche et de sauvetage de personnes disparues ou garées. L'assistance d'un chien spécialisé à Cabreton apportera au service de la police municipale plus d'efficacité pour la recherche des personnes disparues et désorientées, dont la disparition est qualifiée d'inquiétante. Monsieur le maire vous propose au conseil municipal d'approuver la création d'une spécialité cynotechnique au sein de la police municipale de Cabreton. Je tiens à faire savoir que ce chien est né à l'ASPA de Cabreton et qu'il a été adopté par notre agent. Pour cela, nous devons... Si, monsieur le maire... C'était un chien cabretonné? Pardon, non, je plaisante. C'est un chien cabretonné, voilà. Pour cela, nous devons mettre en place une convention tripartite entre la municipalité et le propriétaire du chien, l'agent de la police municipale et l'animal. Une convention tripartite avec le chien, alors? Oui, afin de... Comment dire? De formaliser les modalités de... De formaliser la mise à disposition du chien... sur des recherches afin de fixer les modalités d'intervention, d'entraînement et de formation de l'équipe cynophile, ainsi qu'au bien-être de l'animal. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition ponctuelle du maître et de son chien de recherche et de sauvetage au sein de la police municipale, de l'autoriser à signer les conventions nécessaires à la formation de la spécialité du maître et de son chien, avec les structures et les services compétents. Je dois vous informer qu'il est déjà prévu une formation au sein du 17e régiment d'artillerie qui se trouve à Biscarrosse. Une formation pour le maître? Pour le maître chien et le chien. Pour le maître et pour le chien. Afin de valider les acquis. Et après, je suppose, une formation régulière, continue? Oui, il y aura des formations régulières tous les mois. Voilà.
au sein de la police municipale, hein, aussi pour les habituer hein, à être avec le chien. Bon, merci Jean-Yves. Tu avais des choses à rajouter ? Non. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est, comment dire, hormis le petit clin d'œil à la convention tripartite, vous avez compris qu'il s'agissait bien d'une convention bipartite, je crois que ce nouveau service est tout à fait nécessaire, indispensable, parce qu'on a eu des cas, effectivement, de disparition de personnes où on était un petit peu démunis, même si ça s'est bien terminé. Je pense que c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est... Alors, il est basé sur Mont-de-Marsan et il peut aller aussi dans, sur d'autres départements, donc il n'est pas toujours disponible. Ça sera très bien d'avoir sous notre secteur un chien de recherche, parce que ça arrive très souvent qu'on ait des personnes qui disparaissent. Voilà, donc le début d'intervention est primordial, hein, et puis évidemment, ça va sans dire, on crée ce service au sein de la police municipale à Cabreton, je m'en félicite, et qu'il va sans dire que si les communes alentour, évidemment, avaient... je dirais, des cas de disparition qu'il faille solutionner, c'est qu'on mettrait bien sûr immédiatement bien sûr, c'est le policier et le chien à disposition, ça va sans dire. Et il sera mis aussi à disposition, si la gendarmerie a besoin, ça sera mis dans la convention gendarmerie et police municipale. Qui est d'ailleurs ici présent, pas très loin de nous, et que je félicite pour cette, comment dire, pour cette... Voilà, donc tu peux venir. Voilà, donc l'agent dont nous parlons, notre policier municipal, c'est lui. Et donc, mais je te félicite, parce que c'est, je l'ai dit, et Jean-Yves l'a bien souligné, un service essentiel, et puis, voilà, qui manque sur le territoire, effectivement, et qui, je l'espère, dont nous n'aurons pas à nous servir. Espérer. Ou le moins possible. Voilà, je en tout cas, félicitations. Je tiens à signaler que Sébastien s'investit beaucoup, puisqu'il est en train de passer en ce moment le BNSSA. Très bien. Donc, une corde de plus à l'arc de la police municipale de Cabreton. Jean-Marc. Oui, le sujet est quand même sérieux, mais très agréable quand même, mais... Jean-Yves ne nous a pas dit ni la race, ni le sexe du chien, ni le nom. Alors c'est un chien de race malinois, c'est une chienne qui a 18 mois, qui s'appelle Raika. Bon, vous savez tout. Alors est-ce que vous avez des observations sur ce sujet ? Non ? Alors je vous invite tout d'abord à délibérer sur la création du service. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Non. Et d'autre part, à l'approbation donc, de la convention bipartite à signer. Pas de problème ? Pas d'opposition, d'abstention ? Merci. Nous continuons. Alors oui, donc, on reprend ce qu'on avait vu au conseil précédent, puisque vous rappelez, il y avait la modification du tableau des effectifs pour la création des nouveaux postes. Et là, logiquement, comme on fait habituellement, on vous propose donc de mettre à jour le tableau des effectifs avec la suppression des anciens postes. Je ne rentre pas dans le détail, hein, mais voilà. C'est du copier-coller par rapport, mais en sens inverse, par rapport à la délibération précédente. On crée d'abord les postes, les nouveaux postes, et on supprime les anciens postes après. Pas de problème là-dessus, je suppose ? Oui, monsieur Calès ? Oui, j'avais bien compris le mécanisme. Donc, on parle de postes. Et on a des postes qui ont été créés. J'ai regardé, on en a parlé en juin, en septembre, en octobre. Oui. Et puis là, on supprime les postes. Alors, pour pousser le vice un peu plus loin, j'ai essayé de faire la correspondance, mais bon, c'est très difficile. Et puis finalement, ce n'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de savoir si, à la fin de l'exercice ou à la fin de l'année civile, est-ce que vous savez si l'effectif sera constant, est-ce qu'il sera en augmentation de 1 ou 2 ou en diminution d'un ou deux. On a eu cette discussion également, hein, me semble-t-il, au conseil précédent. De toute façon, alors, l'avantage, si vous voulez, de balayer comme ça régulièrement dans le courant de l'année et plusieurs fois si nécessaire, c'est qu'on a effectivement ce qui est d'ailleurs quelque part une obligation pour les collectivités d'avoir un tableau des effectifs à jour.
et ça nous permet comme ça de mieux maîtriser l'évolution du nombre d'agents. Mais d'ailleurs, on va en parler après, puisqu'il y a un sujet RH qui est, donc, qui fait l'objet d'une délibération à suivre, et d'avoir comme ça une vue, je dirais, quasiment en continu, véritable de l'état de l'effectif communal et de son évolution. Donc évidemment, on aura ces chiffres-là en fin d'année notamment. Le tableau arrêté au 31 décembre 2012 et à jour. À jour. Oui, Yves. Oui, juste pour complémenter ce qui est dit, c'est vrai que bon, c'est difficile de suivre chaque délibération ligne à ligne. La première raison, ce sont les promotions, par exemple, puisque quand il y a des changements de grade, on va mettre la personne dans le nouveau grade et ensuite supprimer son grade. On va l'avoir, entre guillemets, pour le poste, pas la personne, deux fois dans les délibérations, mais il n'y aura pas de création d'effectifs, ni la première fois, ni suppression à la deuxième fois. Quand des agents quittent la collectivité, ils peuvent être remplacés par des gens qui ne sont pas eux aussi du même grade. Donc on va aussi redélibérer sur les postes, puisqu'à chaque fois on parle de postes. Donc c'est vrai que c'est en suivi continuum des délibérations elles-mêmes, c'est assez compliqué. Par contre, à l'inverse, le tableau d'effectifs se doit d'être à jour, et il l'est, et on le représentera effectivement sur la fin de l'année. Bien. Voilà. Donc, pas de problème là-dessus, je suppose. Hein. Pas d'opposition, d'abstention. Merci. Alors, oui, donc, nous revenons vers Jean-Luc, donc, pour une mission que nous avons déjà évoquée, relative, donc, à l'identification du bâti remarquable de Cabreton. Exact, monsieur le maire. Donc, nous avons... déjà discuté de ce dossier de modification du PLUI dans sa partie annexe qui est l'identification du patrimoine remarquable sur la commune de Cabreton. Donc cette modification fait partie des autres modifications que nous avons prévues dans le PLUI. Pour compléter l'inventaire, nous avons besoin d'experts, de gens qui connaissent le patrimoine de Cabreton, qui peuvent nous apporter une aide et donc une forme d'accompagnement. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est effectivement le recrutement d'un vacataire que nous avons déjà identifié, qui est dans l'éducation nationale, et nous avons besoin de prendre cette délibération pour qu'il puisse être disponible pour assurer cette vacation. Donc dans la délibération, vous avez également le détail sur le contenu de sa prestation, le nombre de jours, le montant de la vacation. Et donc, nous avons pris contact déjà avec cette personne, et donc nous attendons cette délibération pour commencer à travailler avec elle. Voilà, donc c'est un travail de recensement, dans un premier temps. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'annexe du PLUI, figurent 24 bâtis dits remarquables. L'ambition de la commune, c'est d'aller un peu plus loin dans l'identification de l'ensemble de ce patrimoine remarquable. Pour ce faire, nous avons besoin d'être accompagnés, hein, très clairement. Et donc, cette personne va nous accompagner. Et l'idée, c'est d'enrichir cette base et ensuite de la mettre dans un projet de modification du PLU. Donc, pour l'instant, on travaille sur cette liste, monsieur le maire. Très bien, sachant qu'il y en a combien qui sont déjà répertoriés, 25 je crois. Il y en a 24 exactement, et on pourrait en rajouter avec la première liste qu'on a commencé à ébaucher, à peu près une petite centaine, qui pourrait venir compléter cette liste. Sachant que ce travail existe également dans d'autres communes, hein, nous ne sommes pas une commune isolée par rapport à cette ambition d'avoir une attention particulière au patrimoine bâti. Hein. Quand vous regardez l'annexe de l'ensemble des 23 communes, elles ont toutes une liste de patrimoine remarquable qu'elles souhaitent préserver, donc on ne fait que de rentrer dans un mouvement assez général, mais d'aller peut-être un peu plus loin que la simple liste des 24 qui existent aujourd'hui dans l'identification qui ont été faites dans le passé. Voilà, donc évidemment c'est un travail qui va se mettre en place, il y a des, la prestation est calibrée, donc évidemment on va revenir sur ce sujet. Bien évidemment, quand on aura arrêté une liste, donc cette liste, il y a d'autres personnes effectivement qui participent. Hein, donc on a sollicité les membres de la commission urbanisme à participer à ce travail, le CAUE, l'architecte des bâtiments de France, des représentants également du patrimoine également qui participent, plus des personnes qualifiées de Cabreton qui connaissent le patrimoine de Cabreton. Donc cet ensemble de personnes qui
effectivement, ont travaillé à l'élaboration de cette liste. Très bien. Merci, Jean-Luc. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, monsieur Larieux. Merci. Cette personne fera un retour à cette fameuse commission au fur et à mesure de son travail. C'était par rapport à ça. Nous avons décidé de travailler en groupe de travail, donc nous aurons des réunions spécifiques sur ce dossier. Et bien évidemment, on fera un point régulier en commission de l'urbain pour justement discuter des maisons qu'on mettrait pas, en fonction des critères architecturaux, historiques, culturels. Voilà, en fait, c'est une représentation multicritère qu'on doit arrêter. Et donc, c'est un travail qui va s'opérer justement dans ce groupe de travail. Le label critère remarquable, il est déjà fixé et sur quel critère en fait ? Des critères architecturaux, historiques, comme je viens de le dire, c'est-à-dire la date du bâti, l'architecte qui a pu effectivement construire ce bâtiment, des caractères significatifs qui représentent l'architecture locale. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec le CAUE, donc avec les architectes du CAUE, qui vont nous apporter d'une certaine manière une expertise. Hein, donc, et l'idée, c'est de croiser effectivement les avis entre les architectes du bâtiment de France, spécialistes, historiens d'art, des personnalités de Cap-Breton qui connaissent bien l'histoire de Cap-Breton. Donc c'est cet ensemble-là qui va construire ce complément de liste. D'autres observations? Bien, bah écoutez, merci Jean-Luc. Donc je vous propose d'adopter ce qui est le point de départ donc de ce travail à réaliser. C'est vrai que peut-être que le premier travail ce sera effectivement, mais en associant donc les personnes qualifiées que tu as évoquées effectivement, de bien s'entendre sur la notion de maison remarquable. C'est quoi une maison remarquable? Elle peut l'être pour moi et ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en compte, d'où la nécessité effectivement d'avoir des personnes qualifiées à nos côtés, évidemment. C'est un travail qu'on ne peut pas mener tout seul, et d'ailleurs il n'est pas souhaitable qu'on le mène tout seul. Non mais là, le croisement des différentes perceptions par rapport à ce patrimoine remarquable est absolument essentiel pour obtenir une liste réaliste correspondent véritablement à quelque chose, soit par le caractère architectural, soit par le caractère historique du bâti. Voilà, et il faut absolument croiser ces points de vue pour arriver à quelque chose qui soit, voilà, qu'on a envie de défendre. Tout à fait. Bien, est-ce que j'ai fait voter? Non. Alors, il y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, on rentre là maintenant dans le délibération donc RH des ressources humaines avec Yves Trésir. Donc, vous avez deux délibérations qui vous sont proposées. La première, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation du temps de travail. Et la seconde, donc, ce sont les cycles de travail déclinés service par service, suite, je dirais, au travail mené particulièrement avec notre directeur général des services et le service RH que je remercie pour avoir entendu à peu près tous les services et avoir quasiment et arrivé quasiment, ce qui n'est pas le cas du tout ailleurs, partout forcément, à quasiment du sur-mesure pour les services en fonction des souhaits et des nécessités de services qu'ils ont pu mettre en avant. Mais pour revenir à la première délibération, donc effectivement, vous savez que les agents territoriaux sont soumis au cycle des 1607 heures de travail annuel. Alors, ça s'organise de manière différente. Ça peut être, bien sûr, aussi annualisé. La nouveauté, c'est que c'est la loi donc 2019-929 du 6 août 2019 qui réaffirme donc cette obligation de réaliser donc les 1607 heures pour lesquelles les agents des collectivités sont payés, sans possibilité de dérogation, sauf exception. Mais j'ai déjà été trop loin. Yves, je te cède la parole. Ah, vous pouvez finir, monsieur le maire. Non, bah, ça fait du bien. Je ne parle pas toujours finance, je peux faire un peu d'administration générale.
Donc, juste, on va déjà reculer un peu dans le temps, hein, parce que je pense que c'est important. Il y a la loi qui fixe le travail à 1607 heures. Le 1607 heures, c'est les 35 heures par semaine. Donc ça, c'est une loi qui est beaucoup plus connue que de parler de 1607 heures. Et cette loi, elle date de 2001. Et en 2001, je vous rappelle qu'elle est obligatoire pour l'ensemble des entreprises et des collectivités. La problématique qui s'est posée dans beaucoup de collectivités, c'est qu'en fait, il y a eu des régimes dérogatoires de réduction de cette base de travail effectif des 35 heures qui n'ont aucune base légale. Il aura fallu donc peut-être 18 ans, c'est peut-être pas très rapide, pour rectifier le tir, mais en tout cas, suite à de nombreuses alertes qui sont remontées au travers des chambres régionales des comptes, quand je dis alerte, peut-être exagération aussi, ça a conduit dans la loi qu'a cité M. le maire en 2019, qui s'appelle la loi de transformation de la vie publique, à réunifier le temps de travail pour l'ensemble des agents de l'ensemble des collectivités au 1er janvier 2022. Tout ça est dans une force logique, souci d'égalité et d'équité, puisque des agents pouvaient avoir des régimes dérogatoires en collectivité publique, donc agents de l'État, et d'autres non. Il n'y a aucune raison d'avoir des différences, et encore moins de ne pas travailler les 35 heures légales. Donc voilà, donc ces 35 heures sont à appliquer. Et si jamais on n'a pas de mise en place au 1er janvier 2022, l'application est d'autorité par l'État et la préfecture d'appliquer les 35 heures sans aucune dérogation. Donc ça, c'est peut-être un petit peu sévère. Donc on a forcément intelligemment regardé ce qu'il convenait de faire. Et pour votre information, et suite à des demandes à la fois des agents et des représentants du personnel, interroger la préfecture au courant de l'année, eu réponse par la préfète elle-même de ce que nous pouvions faire ou pas pour cette mise en place. Donc là, on ne peut pas non plus rester sur les systèmes antérieurs, puisque si on appliquait le système antérieur tel qu'il était, comme il était entre guillemets en contradiction avec la loi, donc illégal, on se fait retoquer le système immédiatement, ce qui est arrivé à d'autres communes, et donc on se fait appliquer la loi sans dérogation encore une fois. Donc, comme on l'a déjà dit autour de cette table, bien évidemment, il est hors de question que la commune de Cabreton se mette hors la loi, hein. C'est la moindre des choses. Donc, on est rentré dans une application intelligente de cette loi. L'application, pour revenir... Alors, peut-être le dire quand même, cette application fait perdre certains jours à certains de nos agents, puisque en moyenne, on pourrait perdre 4 à 5 jours, avec un maximum d'une dizaine, plus une autre journée complémentaire, qui était la journée de solidarité, qui était différemment appliquée ici à Cap-Breton. Donc ces jours-là sont de facto perdus, et c'est en pleine conscience que l'État le fait. Hein, donc il n'y a aucune surprise, et c'était tout à fait pour ramener les 35 heures dans les collectivités locales. Ensuite, dans cet accord, on a la possibilité de regarder ou d'accorder des vrais congés supplémentaires pour des catégories de personnel ou de fonctions ou de postes qui sont très particuliers et qui nous convient, nous aussi, de pouvoir favoriser. On entend par là les gens qui travaillent, par exemple, le week-end, les jours fériés, la nuit ou en dangerosité, de telle façon que ces gens-là aient des temps de repos supplémentaires puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions que quelqu'un qui va passer 35 heures au bureau. Il n'y a aucun état de valeur pour moi du travail de bureau ou du travail de ces autres personnes, mais forcément l'effort n'est pas le même, y compris pour les gens. Et pire encore, celui qui travaille deux nuits, un week-end et un jour férié, ça complique nettement le sujet. Voilà. Donc ces gens-là vont avoir... Une possibilité, enfin une réduction de leur temps de travail sur la base de ces 35 heures, et on a eu une certaine granularité de la pénibilité qu'on a simplifiée à 5 jours pour les agents qui ont une forte pénibilité, dont ceux que je vous ai cités. Et puis il y a une petite catégorie supplémentaire qui sont notamment les assistantes, qui sont appelées les ADSEM, qui auront elles 2 jours, puisque c'est effectivement très pénible. On n'est pas monté aux mêmes 5 jours, puisque eux ont des temps de repos toutes les 6 semaines que les autres agents n'ont pas. Donc on a pris en considération à la fois la pénibilité, mais aussi les autres temps de repos. Et je remercie là, pour le coup, la partie représentant du personnel qui était allée rechercher cette catégorie de personnel qu'on avait moins bien identifiée dans notre premier tour. Voilà. Ces organisations s'appliquent pour la commune, mais en cascade, elles s'appliqueront sur la partie avec des négociations locales pour le CCAS ou l'EHPAD. L'EHPAD ira même un peu plus loin, normalement, sur la partie nuit, week-end, jour férié, où par dérogation, on montera 7 jours, puisque on sait bien que recruter du personnel, c'est compliqué. On sait que c'est très bien qu'aujourd'hui, le vieillissement de la population entraîne des conditions de travail encore plus compliquées qu'elles ne pouvaient déjà l'être auparavant. Donc on veut absolument que nos agents aient des temps de repos nécessaires. Voilà. Donc ça, on va le mettre en place au 1er janvier, et on l'associe
à une nouvelle organisation du travail qui a été proposée et qui permet notamment aux agents, et comme l'a dit Monsieur le maire, parfois quasiment à la carte quand on n'est pas dans des services collectifs, de pouvoir, s'ils ont perdu par exemple 4 ou 5 jours, en ajoutant une heure par semaine pendant certains temps, récupérer des jours de RTT qui leur permettent de se réorganiser dans leur vie privée comme ils pouvaient l'être avant l'application de cette loi. Donc si les agents travaillent 35 heures sur des semaines de 4 jours et demi, il n'y aura pas de RTT puisqu'ils feront leurs 35 heures. S'ils travaillent 36 heures sur des semaines de 4 jours et demi, ils récupéreront 6 RTT. Et s'ils font des semaines de 4 jours à 39 heures, à ce moment-là, ils auront 23 RTT qui s'écouleront dans l'année et qui leur permettent de retrouver un rythme familial qui correspond à ce qu'ils pouvaient avoir ou ce qu'ils souhaiteraient. Je précise que ces RTT ne sont pas à prendre, ce n'est pas des congés en une seule fois. Ils seront pris par cycle de trimestre et perdus s'ils n'étaient pas pris dans le trimestre. Parce qu'il faut absolument que les services puissent s'organiser et faire fonctionner la collectivité de façon continue. Voilà. Donc c'est une application avec une organisation nouvelle du temps de travail. On a rajouté quelque chose qui n'était pas du tout dans l'esprit de la loi, dont on peut parler ici, qui n'est pas dans les délibérations. C'est qu'il nous a semblé, en réfléchissant au sujet, qu'il n'était pas normal que les jours qui existaient, qui réduisaient le temps de travail, mais qui étaient liés à de l'ancienneté, soient totalement supprimés. Donc on n'a pas voulu redonner des jours, puisque c'était assez compliqué dans cette loi, mais on a donné une prime. Et cette prime, elle d'ancienneté, on va y revenir après, elle aura un but de totale équité qui n'existait plus par les jours d'ancienneté, puisqu'il y avait un régime d'avant 2014 et un régime d'après 2014, où ceux d'avant en avaient et ceux d'après n'en avaient plus. Donc il y avait des agents qui avaient plus ou moins de jours selon leur entrée, leur date d'entrée, ce qui n'était pas tout à fait bien. Donc on va revenir avec une prime d'ancienneté totalement équitable au bénéfice de tous ceux qui ont de l'ancienneté et applicable sur leur ancienneté rétroactive. Donc on reprend au 1er janvier l'antériorité des agents et dès la quatrième année d'ancienneté et tous les 4 ans, les agents se verront augmenter une prime d'ancienneté qui sera sur leur bulletin de paye et qui avancera de 4 ans en 4 ans. Voilà, ce qui sera un effort budgétaire pour la commune d'à peu près 45 000 à 50 000 euros, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et je vous rappelle qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts sur les revalorisations de salaires par rapport à beaucoup de collectivités. C'est peut-être, peu importe, je ne sais pas si c'est suffisant ou pas, ce n'est pas là le propos, mais en tout cas, on vient mettre, en plus de cette loi, une notion d'équité sur cette partie d'ancienneté qui nous semblait pas tout à fait normale, parce qu'elle peut exister dans l'esprit des 35 heures, dans d'autres entreprises, dans d'autres collectivités. Donc il n'en y ait plus aucune référence à Cap-Breton nous gênait. Voilà. Donc voilà les trois grandes parties, hein, mise en place des 35 heures avec une obligation, quelques jours, plusieurs jours de récupération liée à la pénibilité, une organisation du temps de travail modifiée et une prime d'ancienneté qui est mise en place. Parfait, mais je crois que tu as fait une synthèse, un résumé parfait de ces nouvelles dispositions donc qui... dont on n'est pas, je dirais, à l'origine. Hein. Ce n'est pas la municipalité de Cap-Breton qui a décidé. Mais pour autant, et comme le disait Yves, il ne s'agit pas de se mettre hors la loi. C'est la raison pour laquelle donc l'administration, je l'ai dit, sous l'égide notamment du directeur général des services de Michael, donc, a travaillé en concertation pour trois mesures que je reprends mais très très rapidement, Yves, mais que tu as bien expliqué. C'est tout d'abord... autant que possible, mettre en place des dérogations aux 1607 heures, c'est-à-dire aux 35 heures hebdomadaires, sur des postes, je dirais, spécifiques. Je ne sais pas d'ailleurs si tu les as cités, je peux les citer rapidement, hein, qu'on a clairement identifiés, donc je vous les donne rapidement. Donc, le régisseur de l'aire de camping-car, la police municipale, bien sûr, ça va sans dire, les agents du centre de loisirs, de la crèche, de la régie des campings pour les agents qui sont mis à disposition, et 5 jours, compte tenu des suggestions particulières de travail auxquelles elles ont à faire face et auxquelles elles sont soumises. Et je crois, Yves, tu as dit, petite rectification, 2 jours pour les ATSEM, je crois que c'est 3, me semble-t-il. Oui, donc voilà, petite correction, mais c'est pas... voilà. C'est bien 3 jours pour les ATSEM. Bon, premier point, second point... la prise en compte, donc, une fois de plus, des spécificités des différents services nombreux au sein d'une collectivité pour essayer, autant que faire se peut, et je crois que le résultat est plutôt probant, d'avoir effectivement, par service, voire même parfois par agent, des conditions de travail qui leur conviennent et qui leur permettent, s'ils le souhaitent, de travailler au-delà de 35 heures pour récupérer des jours
de repos compensateur qui puisse compenser les jours éventuellement perdus. Et troisième point, c'est effectivement la reconnaissance de l'ancienneté, avec un système de bonification indiciaire tous les 4 ans. Voilà. Donc je pense pouvoir dire que dans ce contexte un petit peu difficile hein, pour les collectivités, pour les maires, hein, puisque bien sûr ça fait jamais plaisir, hein, mais pour autant effectivement il y a une obligation, hein, cette obligation elle est claire, c'est de faire 35 heures par semaine, et c'est le travail pour lequel les agents de la collectivité ici, comme ailleurs, sont rémunérés. Voilà. Donc après, si on peut atténuer, adoucir un petit peu les choses, tout en restant dans la légalité et tout en respectant cette règle in fine annualisée des 1607 heures, c'est ce qu'on a, c'est l'esprit de ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Et une fois de plus, pour avoir discuté avec certains maires, je peux vous assurer que ce travail n'a pas été fait partout. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, des observations? Oui, M. Calas. Non, on a beaucoup discuté de ce sujet-là lors de la commission administration. C'est vrai, comme vous le dites, c'est toujours difficile quand on a des jours qu'il faut sacrifier, mais c'est souvent aussi l'occasion de remettre à plat un peu les conditions de travail et puis de faire valoir pour les gens un certain nombre de dispositifs qui peuvent les arranger. On en a cité, je pense que la prime d'ancienneté est un cas exemplaire. Ça se fait dans toutes les entreprises. On a une prime pour l'ancienneté et tout le monde a la même prime. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être à l'avantage des agents et des employés. Donc c'est le moment de renégocier. Donc c'était une bonne occasion, même si les conditions, évidemment, sont difficiles quand on passe de moins de 35 heures à 35 heures. Il faut savoir qu'en 2001, la situation était différente puisque dans les entreprises privées, on passait de 39 à 35. Mmh. Donc la difficulté était pour les entreprises qui devaient faire de la productivité ou réembaucher des gens. Là, on est dans une situation un peu différente. Donc c'est évidemment plus difficile. Tout à fait. Et comme l'a précisé Yves, justement, c'est que le système donc de, je ne sais pas comment il faut dire, reconnaissance et valorisation de l'ancienneté, hein, ce n'était pas du tout une obligation pour nous de faire. On l'a fait justement, et il faut le dire, cette proposition émanait des représentants aux syndicaux, qu'on a écoutés, qu'on a entendus sur ce point. Et je pense que c'est juste et c'est légitime. Oui, oui, on a essayé de comme vous le dites, hein, notre propre débat, y compris avec ce que négociaient les services qu'on remercie, effectivement, mais quand ils nous remontaient les points, c'était un peu compliqué d'arbitrer l'ensemble des sujets. Je rappelle que notre collectivité, elle est aussi dans une commune saisonnière, donc le fait d'avoir des gens au camping, des gens sur des camping-cars, de la police municipale, mais qui traitent des plages, hein, qui ne traitent pas de la même chose, avec des rythmes de travail qui sont complètement saccadés dans l'année par rapport à un pic de saison, une descente. Donc ça, tout ça, l'harmonisation n'est pas la plus simple. C'est aussi pour ça que, vous l'avez vu, dans l'organisation du travail, il y a beaucoup d'endroits. Bien évidemment, quand c'est un collectif, c'est plus compliqué, où quasiment le service va être à la carte, hein, c'est-à-dire qu'ils vont aller choisir leur 35, 36, 39, hein, donc c'est plutôt à l'avantage des agents qui pourront le faire, et le reste, effectivement, on a essayé d'harmoniser avec toujours un souci de traitement très équitable de l'ensemble des agents, ce qui n'est pas forcément le préexistant chez nous, mais aussi ailleurs. Donc ça a été notre souci principal. Voilà, alors, est-ce que d'autres commentaires, d'autres observations? Non. Bien, écoutez, je vous propose donc de délibérer sur ce sujet, donc sur ce dossier, donc l'harmonisation du temps de travail avec la mise en place donc des différents cycles de travail que vous avez donc dans votre note. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc ce dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et une fois de plus, merci à notre directeur général des services et au service ressources humaines. Yves parlait du travail et remerciait donc le service financier pour tout le travail qui a été fait, particulièrement sur le règlement budgétaire financier et sur le travail préparatoire de la nouvelle nomenclature comptable M57. Et on peut aussi ici souligner le travail de fond qui a été fait et en concertation
sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le maire, on a bien deux délibérations, hein, les points A et B. Alors, il y en avait deux, oui, il me semblait. Et la il y a deux points, c'est point A et B, en fait, mais il n'y a pas de... Alors, mais on va délibérer sur les deux. Parce que l'explication, elle fait un tout, donc, sauf s'il y a des objections. Alors, la deuxième, donc, c'était quoi? C'était... Suggestion particulière, ce qu'on a expliqué, en fait. Je ne les vois pas, je suis désolé. Elles sont dans la même, mais il y a un point A et un point B, en fait. Alors, écoutez, sur les suggestions particulières, donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Merci. Alors, nous avions une délibération donc relative à la signature d'une convention avec un policier municipal que vous connaissez, je pense, et qui est membre de la SNSM et qui est donc appelé parfois, s'il y a un sabotage d'urgence à faire, à quitter son poste pour aller prêter main forte, comme on dit. Je vous propose donc de retirer ce dossier de l'ordre du jour. Nous le représenterons au prochain conseil municipal, tout simplement parce que ce dossier est arrivé tardivement et qu'il n'a pas pu être inséré dans l'ordre du jour du CT, qui doit émettre son avis là-dessus. C'est donc simplement pour ça. Donc il n'est pas question, évidemment, de ne pas signer cette convention. D'ailleurs, c'est un renouvellement. Hein, et donc, on vous la présentera au prochain conseil municipal. Voilà. Donc, à suivre. Alors, Soline, donc, nous passons sur l'aspect social avec des renouvellements d'adhésion de convention. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit effectivement de vous proposer la signature d'une convention pour la mise à disposition d'un travailleur social du CDG 40, donc du Centre de gestion des collectivités territoriales. C'est une convention à laquelle la municipalité de Cabreton a déjà adhéré dès 2009, lorsqu'elle a été créée. Elle est particulièrement pertinente en ce moment, dans cette situation de crise, et au regard aussi du public que nous avons et que nous embauchons, nos agents. L'idée, c'est d'accompagner dans leur vie personnelle et professionnelle l'ensemble de nos agents sur le volet social pour leur permettre une meilleure harmonisation, donc vie professionnelle, vie personnelle. Le rôle du travailleur social qui sera mis à disposition est un travail d'écoute, d'accompagnement, en collaboration bien sûr avec le chef de service et les RH, voire le médecin. Il est bien sûr assujetti au secret professionnel et on doit lui mettre à disposition un lieu qui permette la confidentialité des échanges. Et il peut intervenir sur deux volets, soit une intervention individuelle qui portera sur tout ce qui concerne la vie professionnelle, familiale, l'administration, le logement, le budget, la santé. Il peut aussi faire des interventions collectives de prévention, de conseil, d'information, avec l'accord, bien sûr, des chefs de service. C'est une convention qui dure 3 ans et qui est gratuite. Donc voilà pour la première convention. Voilà. Bon, pas de problème là-dessus, je suppose. Pas d'opposition, d'abstention. Merci. La deuxième convention, donc, c'est une mise à disposition, à nouveau, par l'intermédiaire du Centre de gestion des collectivités territoriales des Landes. C'est la mise à disposition d'un psychologue. Donc là aussi, il faut savoir que suite à la crise sanitaire, aujourd'hui, on a 34% de la population qui affirme connaître des troubles anxieux et dépressifs liés à cette crise. Ces chiffres datent du mois de février. Je pense qu'ils sont en train d'augmenter avec la cinquième vague. Le CDG 40 nous propose à nouveau donc l'intervention d'un psychologue assujetti au secret professionnel, toujours en concertation avec le médecin du travail, le chef de service et bien sûr avec le consentement des agents. Les modalités d'intervention, de la même manière, il intervient à titre individuel sur 3 heures. Hein, il n'est pas là pour se substituer à un suivi en dehors du cadre professionnel. Hein, ça peut d'ailleurs donner suite à une orientation. Pour ce qui concerne les interventions collectives, c'est 3 fois 1h30. On est en moyenne à 8 à 12 agents lorsqu'il y a une intervention en collectif. Cette convention, elle a un coût, par contre. C'est un coût de 50 euros de l'heure, donc soit 150 euros à titre individuel et 225 euros pour une intervention collective. C'est une convention qui dure aussi 3 ans et qui donnera lieu à un rapport
qui sera partagé avec, dans la mesure de la confidentialité, bien sûr, et qui proposera des mesures d'accompagnement spécifiques à chaque situation particulière. Bien, oui. Des commentaires ou des observations? Non? Bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Nous allons terminer donc l'ordre du jour. Nous aurons d'autres petits points à voir après, d'informations et de réponses aux questions posées par le groupe d'opposition sur, vous savez, le compte rendu, les rapports annuels que nous devons donc présenter obligatoirement chaque année. Donc on a un premier jet là ici avec donc le rapport de la DSP du casino, puis après les rapports d'activité de la communauté de Max et du SIDEC. Donc nous allons commencer, alors on va le faire de manière, comment dire, très synthétique, sans rentrer dans le détail. De toute façon, vous avez les documents, donc vous n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ça va sans dire. Mais Yves, on va commencer avec toi, avec le rapport donc du casino. Oui, donc comme chaque année, on donne l'information financière. Je rappelle que le casino a une particularité, c'est qu'il ne clôture pas ses comptes le 31 décembre, mais le 31 octobre, donc il a une période de chiffres fiscaux qui sont décalés de l'année civile. Sur l'année civile donc, qui s'est clôturée le 31 décembre 2020, le 31 octobre 2020, si je vous dis le contraire, pardon, on était déjà dans la première année Covid, et donc le casino a vu des recettes baisser. Si on le fait de façon rapidement, le produit des jeux, les machines à sous, le blackjack, la roulette, c'est à peu près une trentaine de pourcents de réduction d'activité suite aux divers confinements ou couvre-feux qui ont bloqué l'activité pendant plusieurs mois. Et sur l'activité restauration, on est à 37% de réduction, puisque là aussi, la fermeture du restaurant a eu un impact sur l'activité. Donc voilà, donc, si on résume, il n'y a pas de santé, parce qu'on l'a entendu, on en a discuté dans la commission, il n'y a pas une santé financière critique, pas du tout. Il reste un bon casino et plutôt profitable, et on verra ensuite dans les renouvellements de DSP. Mais par contre, effectivement, ils ont beaucoup souffert sur cette réduction d'activité. Et je vous rappelle que pour compenser une partie de cette réduction d'activité, ils étaient un des premiers bénéficiaires en termes de montant des réductions de loyers que nous avons octroyées pendant les périodes de confinement. Une partie de ces sommes-là, c'est-à-dire plus de 67 000 euros, couvre l'exercice que l'on vous présente aujourd'hui. Mais ensuite, dans la période 2020-21, où il y a eu encore plus de fermetures et de confinements, ils ont eu encore plus d'assistance par la commune, 175 000 euros, ce qui veut dire que sur la période des deux ans, la commune aura abondé à hauteur de 240 000 euros pour garder en bonne santé son casino et donc les recettes qui sont attachées à ce casino. Voilà. Donc voilà, donc une activité plutôt tendue pendant les périodes de confinement et qui a une tendance à repartir et qui est plutôt une vision plutôt optimiste des gérants du casino actuellement. Voilà. Bien. Bon, donc, une fois de plus, les documents sont à votre disposition. Je vais enchaîner. Alors, est-ce qu'il faut délibérer? Non. Non, j'ai juste raté un point, pardon. Oui, monsieur pardon. Le maire. Oui, j'ai juste oublié une chose et qui est toujours importante. Je rappelle que ce casino emploie quand même 33 personnes à temps complet sur la commune. Et c'est toujours bien d'avoir des gros pourvoyeurs d'emplois, notamment sur le front de mer. Je pense que ça doit être, avec un des autres hôtels, un employeur important de notre commune. Voilà. Bien, j'enchaîne rapidement là aussi. Merci Yves. J'enchaîne rapidement donc sur le rapport d'activité de Max. Je ne rentre pas non plus dans le détail. Simplement pour citer quelques éléments que j'ai notés. Sur le développement économique, qui est, je dirais, le socle de la création des intercommunalités, effectivement, un schéma directeur du tourisme qui est loulou en cours d'élaboration. Donc c'est un travail qui est mené. On connaît les implantations d'entreprises au travers des ZAE, des zones d'activité du territoire de Max. Je crois qu'il faut que nous ayons collectivement une réflexion pour aller au-delà de la simple implantation, mais comment mettre tous ces acteurs économiques, toutes ces entreprises et ces commerçants en réseau. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important et qui fait partie des réflexions de la communauté. Il y a aussi sur la question de la mobilité et du transport un plan stratégique mobilité à l'horizon 2030, donc qui est en train d'être travaillé.
En schéma directeur des pistes cyclables, donc, qui a été élaboré en 2020, et un plan d'action derrière. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas, un autre aspect important de la communauté, c'est quand même la voirie. Alors, je sais bien, une communauté de communes, ce n'est pas un syndicat de voirie, quand même. Ça existait précédemment, mais on sait bien que la voirie, c'est un élément très important de l'aménagement du territoire. Hein, voilà. Je rappelle que le PPI voirie de la communauté, jusqu'au terme du mandat 2026, c'est globalement 25 millions d'euros. Mais quand on parle de voirie, même nous, même moi le premier, et je pense à l'ensemble des maires, on se dit que c'est jamais suffisant. Voilà. Bon, sur l'urbanisme, bien sûr, après la création du PLUI en mars 2020, donc un travail réalisé sous l'égide donc, de la commission urbanisme, donc de modification, d'une première modification de notre PLUI, il y a des choses à modifier, il y a des choses à faire bouger. Le logement, Françoise en a parlé, hein, avec évidemment une intervention financière en termes de garantie d'emprunt solidairement apportée à la création des logements sociaux par la communauté et par les communes. Ça me semble aussi très important. Et je terminerai en parlant bien sûr des dispositifs que nous connaissons déjà sur le pôle enfance, jeunesse et famille. Et puis sur la culture et le sport, effectivement, les subventions allouées au monde associatif, hein. Et puis les partenariats sportifs avec les clubs de sport, même si évidemment l'année 2020 aura été pour le moins très particulière avec l'annulation de nombre d'événements et de manifestations. Voilà. Évidemment, je ne terminerai pas sans parler de la compétence port et lac que la communauté a récupérée au 1er janvier. Simplement pour rappeler deux éléments, mais on va en reparler parce que je n'oublie pas que nous nous étions engagés avec Louis Galdos à revenir vers le conseil municipal pour dire comment se profilait l'opération de dragage du port. Donc, je l'annonce ce soir, nous allons réunir les membres du conseil municipal sous la forme d'une commission générale pour effectivement vous informer sur... peut-être revenir un petit peu sur ce qui a déjà été fait par la communauté, hein, sur le port, parler un petit peu de l'horizon du port, puisqu'il y a une réflexion sur le port de Cabreton en 2030, voilà, ce que l'on fait, quelles sont les pistes de réflexion, et puis, bien sûr, le dragage du port, et donc de vous informer sur... On ne va pas rentrer dans le sujet ce soir, le bout, mais simplement que chaque conseiller, membre du conseil municipal, ait une information à ce stade de la compétition, si je puis dire, parce que c'est presque une compétition. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles administratifs à lever, et puis, bien sûr, et vous en doutez, financiers. Alors, on va essayer de fixer une date assez rapidement. Je ne sais pas si on pourra le faire avant la fin de l'année. Ça me semble un peu difficile parce que les fins d'année sont toujours un peu compliquées, mais on va dire au plus tard courant janvier. Donc je convoquerai le conseil municipal en commission générale spécifiquement sur le sujet du port de Cabreton et du dragage du port de Cabreton, si vous en êtes d'accord. Voilà, Loulou, tu voulais rajouter un mot ? Oui, simplement un petit mot. Alors sur la partie dossier à traiter sera présenté. On parlera aussi, bien sûr, des quais Pompidou, hein, avec le traitement des quais Pompidou. Et puis l'autre élément sur le rapport qui est à votre disposition, il est pour moi bien avec une particularité qui est spécifique. On parle à chaque fois des éléments sur chaque secteur qui ont été portés par la collectivité sur le Covid. Hein. Et le Covid, le territoire est mobilisé. Donc regardez un peu, je pense qu'il est très intéressant. Alors. Bon, je rappelle quand même l'implication de la communauté dans cette compétence port et lac. Je mets un petit peu le lac de côté, je me concentre sur le port, pour rappeler quand même que depuis que la communauté a pris la compétence, que le quai Biasini a été renforcé, les étals des pêcheurs, le dragage du chenal et de l'entrée du port, la partie SNSM, et... cette année, le dragage de la passe. Si je fais l'addition de tout ça, rapidement, on est à 5,5 millions d'euros. Donc, vous voyez la consistance des investissements liés, donc, effectivement, aux infrastructures portuaires ou
aux ouvrages en mer. Et Loulou en a parlé, ce n'est pas terminé, parce qu'effectivement, il y a aussi d'autres sujets sur la table, hormis le dragage du bassin portuaire proprement dit, c'est bien sûr la consolidation des quais, et particulièrement du quai Pompidou, qui conditionne le réaménagement de cette voirie. Voilà, donc vous voyez qu'on a des sujets lourds sur la table quand même. Et donc, on parlera de ça, et on vous dira un petit peu où on en est, où la communauté en est aujourd'hui, et ce qui se profile effectivement, y compris en termes de calendrier. Voilà. Bien, je continue. Avec le CIDEC, bon là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez vu que le CIDEC dont nous sommes adhérents, c'est 18 comités territoriaux, 3 compétences, l'énergie, l'eau et l'assainissement ensemble, et le numérique. Voilà, donc, et le numérique arrive, puisque la fibre se déploie sur Cabreton. Et là aussi, lorsqu'on aura des informations un petit peu plus précises de la part de Pixel, qui est en charge du déploiement sur notre territoire, bien sûr, on communiquera pour que les Cabretonnaises et Cabretonnais sachent à quel horizon, dans quelle perspective, courant 2022 de toute façon, ils seront effectivement éligibles à la fibre. Tout ça pour dire que s'agissant, je vais me focaliser un petit peu plus sur l'eau et l'assainissement, donc ces 15 comités territoriaux, j'ai regardé moi le document, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai regardé le document qui est quand même très bien fait, très complet, simplement pour aller sur le prix de l'eau, hein, sur le prix de l'eau, la facture d'eau. Moi j'ai constaté que notre comité territorial qui comprend Cabreton, Angresse, Bénès, et à partir du 1er janvier, les communes de Seignos et de Sors-sur-Segor qui ont adhéré au CIDEC, donc notre comité territorial va se renforcer considérablement, constater que s'agissant du prix de la facture d'eau, nous étions le comité territorial le plus bas. On est en dessous des 4 euros TTC, eau, assainissement, prélèvement divers, l'agence de l'eau notamment et la TVA, puisque nous sommes à 3,91 euros. Alors qu'au niveau du comité, du CIDEC, nous sommes à 4,20 euros, hein, pour faire des chiffres ronds. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous savez que notre facture d'eau, ce n'est pas que nous payons, ce ne sont pas uniquement les prélèvements réalisés pour financer les investissements, notamment du CIDEC, c'est aussi l'agence de l'eau à Dour-Garonne, c'est schématiquement le Grand Sud-Ouest, donc c'est une structure très, très vaste et très large, et puis la TVA, j'en parlais, et que dans la décomposition de la facture, c'est les prélèvements du CIDEC, c'est 77% et 23%, c'est l'agence de l'eau et la TVA. Je vous invite à aller voir, tout à la fin du document, les prélèvements de l'agence de l'eau. Ça sert à quoi? C'est très intéressant, c'est très instructif, parce que lorsque nous parlons, nous, et Jean-Luc Achard notamment, d'aménagement qui est pour effet de reperméabiliser les sols, je ne sais pas si ça se dit, végétaliser, remettre de la nature en ville, favoriser l'infiltration naturelle, etc. Nous parlons de l'agence de l'eau qui nous subventionne très largement. Jean-Luc, tu voulais rajouter quelque chose? On parle bien de désimperméabilisation des sols, voilà. Mais effectivement, c'est un vrai partenaire, l'agence de l'eau. Ils ont été... C'est vrai que la commune de Cabreton a été un peu précurseur dans ses actions de désimperméabilisation avec l'exemple du parking de la gare. Et c'est vrai que cette initiative de la commune de Cabreton a fait des petits derrière. Et d'une certaine manière, on en bénéficie maintenant avec ce qu'on fait sur la place des Basques, la place du Rond-Point, la place de la Marine. Et c'est vrai que l'agence de l'eau est un vrai partenaire qui nous accompagne concrètement dans ces opérations de renaturation des centres-villes. Voilà, donc tout ça pour dire que lorsque vous voyez sur votre facture d'eau les prélèvements redevances de l'agence de l'eau, dites-vous que ça sert à quelque chose. Il y a un retour qui est fait auprès, notamment et pour la plus grosse part des collectivités. Je vous invite donc à aller regarder la fin du document. Je voulais terminer avec le CIDEC en disant qu'il y a deux enjeux sur le CIDEC qui nous concernent particulièrement, en tout cas au niveau du comité territorial. Cet enjeu, c'est de sécuriser l'approvisionnement en eau, puisqu'il y a eu, c'était l'été dernier, des problèmes, vous rappelez, des restrictions d'eau de la préfecture.
Et donc, un des enjeux, c'est effectivement... Un nouveau forage a été créé pour augmenter la capacité de production, évidemment, bien sûr, pendant le pic estival, ça va sans dire. Hein. Donc, mais il faut arriver à couvrir aussi ces périodes-là sans difficulté. Ça, c'est le premier point sur l'eau potable et sur l'assainissement. C'est bien sûr, et on aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas, c'est le déplacement de la station d'épuration de la Pointe. Où là aussi, le SIDEC commence à travailler et ébaucher des solutions. Donc je pense que ce sera aussi, au même titre d'ailleurs que le dragage du port, un sujet sur lequel, effectivement, il y aura, le moment venu, lorsque les choses seront un petit peu plus avancées, une communication envers les membres du conseil municipal à avoir. Voilà. Hein? Voilà. Je crois qu'on en a terminé de l'ordre du jour, me semble-t-il. Oui. Alors, avant d'aborder les questions du groupe d'opposition, je voulais, puisqu'il s'agit de décision du maire... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous avez des observations sur les décisions? Oui, monsieur Calès. Oui, j'avais une question sur la décision 217, mais on en a parlé... Qui concernait la police? Non? Non, c'était non. Sur les places de stationnement. Comme on sait que le stationnement l'été sur les parkings Beau Soleil et parking chercher mon et le parking des Océanides est quelque chose de très important. J'avais posé une question là-dessus pour savoir de quoi il s'agissait, mais c'était bien de repréciser. Je crois que sur les Beau Soleil, si j'ai bien compris, ça vise à étendre la capacité de parking d'à peu près 30%, et sur les Océanides, c'est un problème de restructuration pour... Oui. Mais ça, M. Calais, ce sont des sujets donc, que vous allez voir en commission, hein, de toute façon. Oui, ça, non, mais c'était pour préciser, ouais. Parce que j'avais deux questions là-dessus. Voilà, donc on a pas mal débattu, enfin pas mal, on a bien éclairci ce point-là en commission. D'accord. Oui, je voulais simplement... Apparemment, il y a une petite... une erreur dans la décision 219 relative à la police municipale, où on parle donc de formation... continue donc au maniement des armes de cinquième catégorie, c'est pas de cinquième catégorie, c'est une erreur, c'est de catégorie D, c'est-à-dire il ne s'agit pas de la formation d'armer les policiers municipaux d'armes à feu, d'armes létales, hein, c'est pas ça, donc ça c'est une erreur que je vous demande de rectifier. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, monsieur Schneider. Pardon. Sur la décision 214, il y a une mission de programmation pour la modernisation et l'optimisation des équipements du camping de la Cibelle. Bon, il y a un acte modificatif au marché, mais ma question c'était tout simplement de quel type de travaux s'agissait-il? Alors, ce dont vous parlez... Donc, on est sur le camping de la Civelle, hein, monsieur Schneider. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'était un marché qui avait été initié, lancé en 2016 par la ville, puisque la régie des campings a été créée après. Donc, c'était à l'époque où le camping était municipal, c'est-à-dire géré en direct par la ville, avec effectivement un marché qui prévoyait une étude de faisabilité financière, qui, de fait, n'a jamais été réalisée. Et c'est la raison pour laquelle on reprend ces crédits qui étaient normalement affectés à cette mission. Voilà, tout simplement. Très bien, merci. D'autres questions? Non. Bien, alors avant d'aborder, je disais, les questions du groupe d'opposition, je voulais donc vous informer, vous faire part des attributions des cabanes de plage qui ont été réalisées donc par la commission... Par la commission. Promotion du territoire. Voilà. Donc, qui s'est réunie. Je rappelle que les membres de la commission avaient la possibilité, sur les deux journées précédentes, me semble-t-il, par demi-journée, d'avoir accès à l'ensemble de documents. C'était à la petite salle, donc à côté de la salle du conseil municipal, où tous les documents étaient sur table. Et que, donc, je vous donne les résultats. Et que la commission donc, a émis un avis unanime sur l'ensemble des lots qui étaient attribués. Ça n'a pas posé, je dirais, de difficultés, puisqu'il y a eu un avis unanime de la commission. Donc, sur les lots que je vais vous donner,
Je rappelle qu'on est donc sur le domaine public, hein, on n'est pas sur le domaine public maritime, hein, c'est autre chose. Alors, s'agissant du lot numéro 1, restauration Notre-Dame, la tributaire est Madame Mercadier, les petits bouchons. Sur le lot numéro 2, restauration Notre-Dame, hein, vous rappelez qu'il y a deux lots restauration à Notre-Dame, hors DPM, domaine public maritime. La tributaire est où sont Julien et Baptiste, l'Escarboura, les planches éphémères. Sur le lot numéro 3, enseignement de surf à la piste, la tributaire est de M. Pascal Chalard. Sur le lot numéro 4, restauration à la piste, la tributaire est où sont Monia Hendrix et Marie Boronova. Fresh Juice. Sur le lot numéro 5, enseignement de surf aux Océanides, la tributaire est M. Sempé Louis, Loulou Surf. C'est normal ? Ça n'a rien à voir avec Loulou Galdos. Hein. Sur le lot numéro 6, les restaurations océanides, la tributaire est M. Devin Goller, le Soweto. Et sur le lot numéro 7, restauration du Santocha, la tributaire est M. Raphaël Saint-André, Terramar. Sur les deux kiosques de l'Esplanade de la Liberté, donc là aussi il y a eu un avis unanime de la commission, deux candidats, donc il y a deux kiosques, deux candidats d'ailleurs sont arrivés à égalité et retenus, Cheche et Végétal Yogurt. Alors je ne sais pas pour les membres faisant partie de la commission si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose. Oui, Anne ? Oui, moi je voulais juste remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont envoyé des dossiers qui ont été vraiment beaucoup approfondis, travaillés. Les critères étaient, on avait travaillé très longtemps sur les critères tous ensemble, donc ça a facilité les évaluations. J'espère que les saisons qui vont arriver permettront à tous ceux qui vont exploiter nos belles plages d'avoir et une architecture agréable dont on sera fier. À laquelle on sera fiers de participer. Et puis, un grand merci à tous ceux qui ont renvoyé les dossiers parce qu'il y avait vraiment des belles choses et on a senti des gens qui voulaient faire le bien visuellement et gustativement sur notre belle commune et nos belles plages. Merci à tous. Oui, merci Anne. Je confirme ce qui a été dit, ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, on avait quand même un niveau d'exigence assez élevé. Sur, bien sûr, la qualité de l'activité, des prestations, mais aussi sur la qualité des structures. Des structures, de l'humain et de ce qu'il y aura dans l'assiette, et puis de la gestion aussi de l'emplacement, du sable, des côtes et de l'engagement auprès des citoyens. Voilà, je rappelle aussi, vous vous en souvenez, que nous avions pris la décision ayant un niveau d'exigence élevé. Et pour permettre à ces exploitants de pouvoir avoir, compte tenu d'un investissement qu'on peut penser comme étant plus important, hein, compte tenu des critères, je dirais, mis sur le papier, d'avoir aussi une durée d'exploitation pour eux plus longue, puisqu'on est passé de 3 ans à 5 ans. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, donc ça c'était à titre d'information. Alors, pour terminer, avant quelques infos rapides. Alors, je réponds donc aux questions du groupe d'opposition qui me demande trois questions. Où en est-on de la transformation de l'ex-petit casino de la rue du Général de Gaulle ? Est-ce que ce sera effectif pour la prochaine saison estivale ? Alors, on en est où ? Donc, nous en sommes aujourd'hui donc au choix, vers la commission, qui travaille dessus, donc, va se réunir le 16 décembre pour... Trois candidats ont été retenus, donc, pour choisir le projet qui semble le plus pertinent, le plus intéressant, donc, à la dite commission. Après, on va avoir... Donc, ça, c'est très vite, hein, c'est le 16 décembre que la commission se réunit. Après, il va y avoir toute la phase, je vais dire, administrative. Notifier le marché, ça va être fait en début d'année, pas de problème. Après, il va y avoir une phase plus longue d'études de conception pour bien définir le projet et d'être sur une phase d'avant-projet détaillé, même plus que ça. Il y a bien sûr le dépôt et l'instruction du permis de construire, hein, donc tout ça prend du temps, et il y aura la consultation des entreprises.
une fois que le projet aura été définitivement calé. La consultation des entreprises, ça va se faire certainement durant l'été de l'année prochaine. Donc vous voyez que cette phase est quand même relativement longue. En perspective, on prévoit un début des travaux en perspective après la saison 2022, la saison prochaine, pour une fin de travaux, une réception de l'ouvrage avant la saison 2023. Voilà la perspective qui est la nôtre aujourd'hui. La deuxième question portait sur l'autodissolution de l'association des commerçants, je suppose, du centre-ville est-elle fondée? Avez-vous connaissance d'une éventuelle nouvelle association en cours de constitution? Alors, oui, je confirme, mais je pense que c'est à peu près de notoriété commune. Nous étions avec Anne et Jean-Marc à la dernière assemblée générale de l'Union des commerçants du centre-ville, qui était, je crois, le 26 octobre ou quelque chose comme ça, où effectivement le bureau avait annoncé qu'il était démissionnaire dans son entier, en totalité, et qu'un appel au peuple avait été lancé pour savoir parmi les commerçants adhérents si certains voulaient prendre le relais de l'association et faire perdurer cette association, et nous étions présents, personne ne s'est manifesté. On a levé le petit doigt, on a levé la main. Donc oui, je confirme, l'association, alors aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, je n'en sais rien, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que l'association va être reprise par d'autres commerçants? Je n'en sais rien. Évidemment, nous l'espérons fortement, parce que moi, ce que je leur ai dit, ce que nous leur avons dit, c'est que nous avons besoin d'une association de commerçants en centre-ville. C'est très important pour nous. Nous préférons de loin avoir une association qui pèse le plus possible, qui fédère le plus possible, surtout les commerçants qui travaillent à l'année, mais pas que. Mais il ne faut pas pour autant que ce soit les commerçants qui ne sont là que durant la saison, qui prennent aussi les commandes, en oubliant qu'ils ne sont pas présents le reste du temps. Nous, ce n'est pas non plus ce que l'on veut. On veut un centre-ville qui vive à l'année. Et donc, de leur dire que c'était très important donc, d'avoir une association constituée, forte, avec beaucoup de membres, beaucoup de commerçants adhérents, pour qu'on puisse avoir un dialogue et pour faire ensemble avancer les choses. Plutôt que d'avoir 20 commerçants qui viennent nous voir à titre individuel et qui, le plus souvent, ont des demandes, des attentes, des aspirations contradictoires, opposées. Donc, c'est pas facile. Voilà. Donc, nous souhaitons vivement que cette association puisse perdurer, que de nouvelles personnes veuillent s'investir, même si on sait que c'est pas facile, parce que ça prend un peu de temps, ça demande un peu de temps, et quand on est commerçant, je l'entends bien aussi, c'est parfois du temps dont on peut manquer, mais c'est absolument essentiel pour nous. Bon, nous verrons donc vers quoi nous allons. Mais je réaffirme publiquement, puisque nous sommes en séance publique et devant vous, que nous souhaitons vivement que cette association puisse reprendre et que nous puissions travailler ensemble, parce que je leur ai dit aussi que nous étions là pour les aider, pour les soutenir. On ne va pas tout faire à leur place, que chacun prenne sa part, mais que nous sommes là pour les aider, pour les soutenir. L'association n'ayant pas prévu d'animation pour ces fêtes de fin d'année, c'est nous, c'est la collectivité qui se substitue, mais c'est normal de le faire pour qu'il y ait des animations de fin d'année, et donc d'avoir des animations en cœur de ville. Mais bon, je pense que ce serait mieux si effectivement on avait une association qui soit avec laquelle on puisse discuter, échanger, avancer. Force d'initiative et de proposition que, une fois de plus, nous sommes prêts à soutenir. C'est le discours que nous avons tenu devant eux lors de cette Assemblée générale. Dernier point. Il y a un terrain forestier en bordure de la voie verte, côté camping de la Civelle, se trouve actuellement en panneau de vente. Oui, la réponse est oui, nous l'avons vu nous aussi, nous avons été surpris d'apprendre que cette parcelle, alors je ne sais pas si vous voyez où c'est qu'elle est, elle est quasiment attenante au camping de la Civelle. Elle est simplement séparée par la piste cyclable. Il y a deux parcelles, en fait, pour une contenance totale de à peu près plus de 9 200 ou 9 400 m², je ne sais plus.
9002, je crois. Voilà. Donc, parcelle qui appartient donc à un propriétaire qui, semble-t-il, a signé un compromis de vente avec un particulier, donc pour la cession, pour la vente de cette parcelle dont je ne connais pas le prix aujourd'hui. Alors, évidemment, on est surpris parce que ça aurait été bien si ce propriétaire était venu nous voir pour nous demander si nous étions intéressés, en précisant de suite que cette parcelle, donc, elle est classée au PLUI en tant que réservoir de biodiversité. Donc, elle est protégée. Il n'y aura pas de mer ni meuble qui va se bâtir. Donc, cette parcelle ou ces deux parcelles bénéficient d'une protection forte dans notre PLUI. Ceci étant dit, après, faudra peut-être se poser la question, sachant que donc, on est en zone naturelle, et vous savez que le droit de préemption urbain s'applique en milieu urbain, hein, et pas dans les zones naturelles, mais que pour autant, étant riverain de cette parcelle, comme tous les autres riverains de cette parcelle, nous bénéficions d'un droit de préférence. Ça veut donc dire, c'est un petit peu comme le droit de préemption urbain. Ça veut dire que si nous sommes intéressés à l'acquisition de cette parcelle, nous pouvons mettre en jeu notre droit de préférence. C'est la question qu'il faut se poser. Sachant qu'une fois de plus, cette parcelle, même si elle change de propriétaire, restera demain dans l'état où elle est aujourd'hui, puisqu'elle est protégée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Mais oui, nous avons nous aussi été surpris de voir ce panneau, qui apparemment, d'ailleurs, semble-t-il, a été déjà endommagé. Bien, alors, pour terminer, cette fois pour de vrai, juste quelques infos rapides, une info rapide, importante, que j'ai apprise de Soline, cette-là, juste avant de venir, c'est que notre centre de vaccination va ouvrir un jour de plus, donc le mercredi. Donc, 4 jours au lieu de 3 jours, du mardi au vendredi, toute la journée. C'est évidemment quelque chose que nous attendions, que nous souhaitions, parce que nous sommes sur un rythme de vaccination, vous le savez, élevé. C'est plus de 400 doses par jour. Donc je pense qu'il était vraiment urgent, indispensable d'ouvrir les créneaux, de pouvoir ouvrir l'amplitude d'ouverture, donc partant les créneaux de rendez-vous. Il est probable que ce fonctionnement, ce nouveau fonctionnement avec cette amplitude, perdure jusqu'à la fin du mois de février, a priori. Je parle toujours avec beaucoup de précautions. Fin février, donc nous sommes sur 400 doses. À titre indicatif, parce que je sais que ça interroge certaines personnes, c'est qu'aujourd'hui, le centre ne vaccine qu'avec du Moderna. Qu'avec du Moderna, mais je pense que c'est à peu près partout ailleurs. Hein. Je suis un petit peu l'actualité aussi comme vous. Et que nous pourrions avoir à nouveau du Pfizer à partir de mi-février. Donc aujourd'hui, et le centre vaccine aujourd'hui avec du Moderna. Voilà, c'est une petite précision que je souhaitais apporter. Soline, si tu veux, ou tu as des compléments? Non? Oui? Voilà. Bon, après, il y a des gens qui semblent être inquiets, effectivement, parce que c'est plus du Pfizer, c'est du Moderna. Moi, j'étais vacciné au Moderna les 2 premières doses et... Monsieur Calès. Oui, j'ai entendu cette préoccupation des gens en disant « Ah, c'est pas du Pfizer, c'est du Moderna ». Mais en réalité, hier, dans l'émission « C'est dans l'air », qui est assez focalisée avec des spécialistes, il disait que quand on a eu 2 fois Pfizer et 1 fois Moderna, c'est même, pense-t-il, légèrement mieux. Oui, c'est ce qu'il disait au départ. C'est l'alternance des anticorps. Tout à fait. On a une protection qui est meilleure, donc ça peut rassurer les gens. Donc on entend un petit peu de tout, quoi. Voilà. C'est vrai, on a des discours qui sont un petit peu parfois différents, à défaut d'être contradictoires. Bon. Oui, Soline. Oui, si je peux me permettre, juste par rapport à l'ouverture à nouveau du centre, hein, si on demande 6 jours d'ouverture, ben, on va encore avoir besoin de bénévoles. Hein, donc je me permets de le préciser, de toujours remercier ceux qui sont là depuis bientôt 1 an, fidèles au poste. Hein, donc là, vraiment, on les remercie chaleureusement. Mais si certaines personnes veulent se présenter au CCAS et proposer leurs services, hein, ils seront toujours bienvenus. Notamment, je pense, pendant les vacances de Noël, plus on aura de relais, hein, plus ce sera facile pour les bénévoles d'avoir aussi, qui sont là depuis 1 an, de se consacrer aussi un peu à leur famille. Hein. Voilà, alors, merci. Oui, tout à fait, bien sûr, je rejoins ce que tu dis. De remercier, on ne les remerciera jamais assez, hein, aux bénévoles. Donc, ce n'est pas terminé, hein, puisqu'on est parti
a priori jusqu'à fin février. Je voulais juste apporter aussi une précision pratique, mais enfin les gens qui souhaitent prendre rendez-vous le voient, c'est que je crois que la journée du 24, c'est uniquement la matinée, puis après ça s'arrête. Hein, c'est ça? Bon, donc attention aux prises de rendez-vous. Voilà, juste un dernier mot. C'est un petit peu difficile aujourd'hui pour tout le monde. On a discuté avant le début de cette séance. Aujourd'hui, on est toujours dans la perspective de maintenir la tourelle. Et la cérémonie des vœux, que vous le savez, nous avons fixée au 3 janvier. Donc il est probable que si les choses ne bougent pas, qu'on puisse effectivement, je parle de la tourelle, donc j'insiste un petit peu là-dessus, maintenir donc cette belle tradition cabretonnaise cette année, qu'on n'a pas connue l'année dernière, mais très certainement avec l'instauration d'un périmètre et le contrôle du pass sanitaire et bien sûr le masque. Pour la cérémonie des vœux, il en ira de même, les dispositions seront les mêmes. Contrôle du pass, masque, avec, c'est de mettre un petit peu d'espace entre les personnes. Aujourd'hui, on en est là. Mais moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait si la situation évolue. Nous ne sommes que le 8 aujourd'hui, donc je parle là une fois de plus. Aujourd'hui, on est dans cette perspective, mais évidemment, on va attendre un petit peu pour prendre une décision. Et cette décision, pour la tourelle et pour la cérémonie de vœux, dont je vois que déjà beaucoup de collectivités l'ont annulée, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est le cas à Max. Voilà, nous permettra... Et bien sûr, donc je disais, avec la vie, voire même plus que la vie des services de la préfecture, ce qu'ils nous disent, donc le moment venu. Voilà ce que je voulais vous dire en terminant cette séance. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Si nous n'avions pas l'occasion de nous revoir à la tourelle, parce que... elle aurait été annulée, ou parce que tout simplement, étant maintenu ce que j'espère et ce que nous espérons tous, que vous ne soyez pas là. Je vous souhaite bien, écoutez, de belles fêtes de fin d'année, hein, et puis d'avoir le plaisir de vous retrouver dès le début d'année. La date du prochain conseil n'est pas fixée, et donc dès qu'elle sera connue, on vous le fera savoir. Et donc, vous n'oubliez pas que nous reviendrons vers vous aussi, pour vous proposer une date donc de commission générale sur le dossier du port, hein, que j'évoquais précédemment. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, vous avez le programme des fêtes de fin d'année que j'évoquais aussi précédemment avec... Oui, Loulou. Alors, simplement pour un moment un peu de joie ou autre, le 18 décembre, le Père Noël arrive à Cabreton. Voilà. Mais il arrive comment? Et il va arriver, je pense que la présidente de la PINAS pourrait en parler. Non, c'est une surprise, il ne faut pas la dévoiler. Alors, ça veut dire qu'on va reprendre la tradition de l'arrivée du Père Noël au port de Cabreton, c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il faut en dire plus aujourd'hui ou pas? Bon, donc voilà, surprise. Bon, c'est bien. Donc il va arriver en PINAS, alors. Si j'ai bien compris. Bien, allez, belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Faites attention, continuons à appliquer les gestes barrières. Je crois qu'aujourd'hui, avec la vaccination, ça va sans dire, et la dose de rappel, c'est le plus important. Voilà, et d'espérer avoir le plaisir de vous retrouver à la tourelle cette année. Merci beaucoup.